5, 6, 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 1, 2, retournez, 3, 4, maintenant avec les bras, et 5, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Gabane Messier. Oui, disons que je suis une personne qui a commencé la danse dans les années 82. Ça fait 30 ans que je pratique la danse. Quel lien avec une ville comme Stains? C'est une terre d'accueil où je travaille avec eux depuis 5-6 ans. Et puis en même temps, j'ai pu travailler sur la pédagogie. J'ai pu transmettre aussi à des jeunes cette passion. Et on peut dire que Stains commence... a pris quand même une envergure très importante dans le domaine dans toute la Seine-Saint-Denis. Mon parcours international m'a permis de revenir sur ce lieu de Stains et de faire transmettre tout ce que j'aurais pu apprendre, que ce soit les valeurs, que ce soit l'envie de se dépasser, l'envie d'être ensemble, de construire ensemble. Et voilà, en termes d'évidence, on va dire que la ville de Stains, elle a des jeunes qui s'expatrient. Volonté politique, oui, de laisser, de permettre que ce type d'art urbain puisse s'exprimer dans des lieux qui sont dignes de cette dimension culturelle, oui, bien sûr. Vous savez, à l'espace Paul-Éluard, on a accueilli très tôt, alors que le hip-hop n'était pas le bienvenu partout, on a accueilli très tôt ici des manifestations, le festival Seine-Saint-Denis, notamment, le danse hip-hop. Donc voilà, on est dans cette continuité. Merci beaucoup.